Bonjour, la trêve des confiseurs, c'est quand? Pendant une semaine, hein, donc ça commence à Noël. Donc Noël, c'est ce soir. Hein, donc la trêve des confiseurs, c'est quand de Noël au jour de l'an, eh bien, on est plutôt cool avec les gens et puis on les critique pas trop. Donc comme c'est ce soir, j'ai encore aujourd'hui. Alors tout à l'heure, quoi, ce soir, on va voir Jean-Luc Reichmann. Habillé d'une façon, bon, allez, même s'il est en t-shirt, bon, je pense qu'il va être en costard, etc. Il va être plutôt élégant. Donc, bon, voilà, il va être avec les invités, etc., etc. Par contre, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis qu'il est revenu du tournage de Léo Mattei, c'est du n'importe quoi. Déjà, la coupe de cheveux, la coupe de cheveux au mulet, comme ça, mais franchement, mais c'est quoi cette coupe de cheveux? C'est une coupe de cheveux des années 80, d'accord? Bon, regardez-moi cette coupe. C'est quoi ce truc-là? C'est pas possible. Et puis, regardez, alors là, ça c'est le pompon, comme dirait l'autre. Hein. Regardez. Alors, la chemise, même pas rentrée dans le pantalon. Le pantalon qui tombe comme ça sur les pompes. Franchement, c'est quoi cette dégaine, Jean-Luc Reichmann? Bon, c'est peut-être pour ça qu'il a perdu la place de numéro un des animateurs préférés des Français. C'est peut-être la dégaine. Donc voilà quoi. Bon, allez, je vous dis à plus tard. Bye bye.